Allez-y. Allez, c'est parti. C'est mon dossier, ça va être un phénomène. Oh, oh. Allez, allez. Driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. You're caught in your love affair. We'll never be royal. It's running our blood. That Cadillac's just ain't for us. To crave a different kind of love. Let me be your ruler. You can call me queen. Ça va bien, ça va toujours bien après une victoire. Hein. Un moment qu'on n'avait pas gagné, donc c'était important de remporter ce match, en plus dans des conditions difficiles, et on savait très bien que Saint-Etienne n'avait pas gagné, donc avec la confrontation de ce week-end, c'était important pour nous de remporter ce match, et ça nous permet aussi d'avancer dans ce classement. Tout se passe bien, pour l'instant j'ai été bien intégré, en plus j'ai eu la chance de jouer les deux matchs dès que je suis arrivé, donc ça me permet aussi de m'intégrer beaucoup plus rapidement. Moi, je prends mes marques tout doucement, mais pour l'instant tout se passe bien. Je connais surtout Cédric, avec qui on a déjà passé des vacances ensemble, donc je connaissais un petit peu. Sinon, personnellement, les autres joueurs, non, pas trop, mais après, comme je suis beaucoup la Ligue 1, je connais les joueurs qui composent le groupe. Le coach me voulait vraiment, j'avais envie d'avoir beaucoup plus de temps de jeu parce qu'à Paris, c'était compliqué et j'arrive à un certain âge où de jouer est le plus important. Après, ça a mis un peu de temps parce que les négociations ont été un peu difficiles. Paris ne savait pas qui devait laisser partir entre Adrien, moi. Donc ça a pris un peu de temps. Après, entre l'actionnaire, le président et le coach, ils ont tout fait pour que je puisse rejoindre les Girondins. Je leur en remercie parce que j'avais vraiment envie de venir ici, de trouver un nouveau challenge et de pouvoir m'éclater au quotidien. Ça donne un élan de fraîcheur à la Ligue 1 d'avoir de nouveaux entraîneurs. En début de saison, il y en avait pas mal. Il y avait le coach ici, il y avait Cody de Reims, Claude, Quélélé. Donc je pense que c'est bien de donner sa chance aussi à de nouveaux entraîneurs. On a vu que ça a très bien commencé ici à Bordeaux, un peu plus dur par la suite. Mais pour l'instant, très content de travailler avec ce nouveau staff. Ouais. Moi, un milieu relayeur qui qui sait défendre et qui permet à l'équipe de bien relancer, de trouver vite les attaquants. Voilà. Après, ce sont mes caractéristiques. Take a real bite, the juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down the dust, or blow them voluntarily up. Faut que je vais finir comme ça, ouais. Je cours beaucoup sur un terrain, donc... J'imagine, bon, t'as fait toute ta carrière au Pseuge, t'es jamais sorti de... C'est compliqué de franchir le pas, de se dire... C'est compliqué de se dire, tiens, je vais changer de club, je vais... Voilà, t'as pas de club quand même. J'étais bien accueilli. Hein. C'est sûr que c'est pas évident parce que j'ai fait toute ma carrière. Ça faisait 15 ans que je passais au PSG. Après, j'ai eu quand même mon expérience l'année dernière à Toulouse. Après, c'est différent parce que tu es prêté et tu sais que tu reviens dans ton club formateur. Mais oui, c'est vrai que c'est pas évident. Mais je savais qu'en venant ici, je me trompais pas, que j'avais fait le bon choix. Et en plus, je viens dans un super club, une super ville, donc ça m'a pas plus peiné que ça. Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, Paris, en France, ils ont, même s'ils sont deuxièmes aujourd'hui, ils n'ont pas de concurrents. Le budget, c'est devenu énorme. Ils concurrencent les plus grands clubs européens, donc c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais c'est bien aussi de retrouver les clubs avec, plus familial et avec une autre ambiance aussi, ça fait du bien. Et on va dire qu'on est beaucoup plus assisté quand on joue à Paris que dans un autre club, je pense. Ah, c'est très bien passé. Après, j'avais qu'un entraînement avec le groupe, donc c'est jamais évident de s'intégrer, mais ça s'est bien passé. Après, malheureusement, on n'a pas pu gagner, mais on n'a pas perdu. Ça nous a permis d'avancer et puis je pense que ça a permis de construire un état d'esprit pour le match d'Evian qui nous a permis de gagner. Evian, deuxième match, tu t'es senti de mieux en mieux? Ouais, non, mon intégration se passe bien et je prends mes marques et c'est dans la bonne voie et je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. Pour bien s'acclimater, il faut travailler beaucoup avec ses partenaires. C'est tout récent ma venue. Et puis physiquement surtout, parce que avant de venir ici au Girondins, pendant 15 jours de négociation, je me suis entraîné à part. Donc retrouver la forme physique sera le plus important, je pense, pour moi, pour finir la saison. Jouer un maximum de matchs, de ne pas connaître la blessure et d'être, pourquoi pas, européen à la fin de saison. C'est pas une pression, mais c'est un objectif, tant que c'est faisable, on a envie de le réaliser. On n'est pas loin de ces places européennes, donc pourquoi pas rêver. On me parle souvent de ça parce que j'ai connu ça il y a 2 ans, mais franchement, c'est vraiment m'éclater et retrouver du plaisir sur un terrain d'abord. Après, si j'ai la chance, avec les performances et avec les résultats du club, de retrouver l'équipe de France, pourquoi pas, mais vraiment, c'est m'éclater le principal. Je suis râleur sur un terrain, j'aime bien râler. Après, c'est pas méchant parce que j'aime pas perdre, j'aime pas avoir des décisions contre nous, donc je râle beaucoup, mais c'est pas méchant. Accrocheur aussi? Ouais, ouais. Toujours. Ah, les milieux, ouais. Bah, il faut pas se laisser marcher dessus. Ici? Ouais. Non, pas encore. Ça va bientôt venir. Et à Paris, t'avais un surnom? Avant, avec Samit Traoré à l'époque, Arshavin. Et là, on m'appelait Tonton, mais ça, c'est des... je peux pas te dévoiler pourquoi on m'appelait comme ça. Arshavin physiquement, quoi, parce que tu lui ressembles. Ouais, la coupe des cheveux, ouais. Non, parce qu'il est plus petit, Arshavin. Ouais. Bah, le petit message, il faut nous soutenir pour essayer d'être européen à la fin de saison, parce que pour vous, d'être dans le nouveau stade avec une Coupe d'Europe, je pense que c'est le plus important.